la semaine prochaine dans Parlons de livres. Les contrats, les traités, parce que le colon a d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit un petit peu encore les mêmes tactiques hein, actuellement. Absolument. Pour envahir, pour, voilà, c'était soit par la force, hein, la force militaire, Oui. soit par des traités. Vous Auquel imaginez? personne ne comprenait rien. Oui. Personne ne comprenait rien parce qu'il y a là, sur la, à la page 30, Oui. attendez, on lit le traité, mais c'est. C'est exprès, c'est fait en sorte qu'ils ne vont pas droit au but. Il y a des tournures, mais Exactement, qu'est-ce oui. que le chef, C'est pour les ça rois? que. Oui. C'est pour ça que j'ai fait l'effort en trouvant ces traités dans les archives, parce qu'évidemment, ces archives-là ne sont pas à la portée du grand public et il y a peu d'historiens qui s'y intéressent. Donc pour moi, c'était un trésor d'aller recopier ce que disaient les traités qu'on présentait au roi en disant c'est un traité d'amitié pour dire que nous sommes liés. Et donc pour eux, c'était juste un traité d'amitié. Or, dans un français très difficile, avec des subjonctifs vraiment très Mais châtiés. c'est fait exprès. Voilà, ils expliquaient dans le traité par le menu qu'à partir du moment où c'est signé, ils ont le droit de venir dans le pays, ils ont le droit de s'installer comme ils veulent, ils ont le droit de faire les cultures qu'ils veulent, et les rois n'ont plus rien à dire sauf à venir se plaindre auprès du gouverneur et s'il a envie de l'écouter. Et les interprètes, donc la France présentait ces traités-là. Les interprètes qui traduisaient ne comprenaient pas bien le français. Comme on disait, ils se débrouillaient, comme à l'époque, presque en petit nègre. Donc, ils essayaient de traduire au roi ce qu'ils comprenaient, mais qu'ils ne lisaient pas. Parce que le gouverneur ou l'administrateur français dit, dans le traité, on dit que nous sommes amis, que vous êtes amis avec notre président, que ceci, cela. Donc, l'interprète traduisait ça, c'est tout. Mais tout ce détail... C'est nous qui sommes allés à l'école qui avons découvert ça plus tard. Voilà. Je me suis posé la question, vous savez, même maintenant, la preuve, même en parlant anglais, français, quand on veut faire un business, il y a quand même des termes juridiques, vous savez, que pour faire un contrat, créer une LLC, par exemple, ou de rédiger un contrat d'agrément, je ne sais pas, de location d'un local, on a besoin d'un juriste, on a besoin Exactement. d'un avocat, pourquoi? Parce qu'il y a des termes, pour moi, en tant que On ne simple citoyen. maîtrise pas, oui. Alors, imaginez. Oui. Mais, Et dans plusieurs régions comme ça, donc il y a eu dans cette région d'Afrique, dans ces régions d'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale aussi, il y a eu beaucoup de traités comme ça qui ont été imposés aux chefs ou aux rois africains qui ne comprenaient pas ce qu'ils signaient. Et là, ils étaient en train carrément d'offrir leur pays et toutes les richesses de leur pays aux Européens qui arrivaient. En Afrique du Sud, ça a été la même chose avec certains rois locaux au moment de l'arrivée des Européens. Donc, c'est ainsi que le continent s'est fait gruger de part en part dans différentes régions par ces traités dont, évidemment, personne ne parlera non plus dans les livres d'histoire. Thank you.